Victor, I know that you did also. Bien, Victor, je sais que vous avez réalisé cette interview de Carson dans votre magazine. Parlez-moi de lui. Parlez-moi de l'artiste. Talk to me about him. Talk to me about the artist as well. Charles is a tough man. He is dedicated to. Eh bien, c'est un type solide. Il est totalement voué à son art et rien ne le détourne de sa mission dans la vie. Beaucoup de gens ont des aptitudes, beaucoup de gens ont du talent, beaucoup de gens sont doués. Mais l'important dans la vie, c'est d'utiliser ses aptitudes, ses talents et ses dons au mieux. Si vous avez cette bénédiction, cette faculté, vous irez loin. And selling art, then really hit it good. Regardons une toile comme celle-ci, si vous permettez. Certainement. J'aimerais m'y attarder quelques secondes. Ce style est historiquement fascinant car il ressemble à Jackson Pollock et Sam Francis dans une vision personnelle, ce qui, comme historien de l'art, soucieux de la continuité culturelle, me plaît beaucoup. J'aime voir quelqu'un transmettre la culture d'une génération à une autre. Alors les jeunes générations peuvent regarder ce tableau et dire « Wow! » Ce type a vu Jackson Pollock et il a vu Sam Francis, mais il a ajouté dans cette toile des choses que ni Pollock ni Francis n'avaient pensé à construire. C'est pour cela que Charles a fait sa marque et continue de la faire. Il peut se tenir debout auprès de ses grands maîtres et il est jeune. C'est intéressant. Il a déjà fait beaucoup. Il est bien placé pour exprimer une très forte affirmation artistique. Il l'a déjà fait d'ailleurs. Il est prêt pour de très grandes choses. Good position for something very big to happen.